au cœur de Paris, le quartier des Halles. Le point de ralliement de l'équipe de France. En apparence, l'ambiance est bonne enfant. Mais le quartier est sous haute surveillance policière. Dans les entrailles du forum, des passants quadrillent un important centre commercial. Plus d'une centaine de magasins, prêt-à-porter, cinéma, restauration rapide. Au troisième sous-sol, l'entrée de la gare RER de Châtelet-les-Halles, la plus grande gare de Paris. Chaque jour, 1,5 million de voyageurs transitent par cet endroit. C'est ici que se retrouvent les bandes de banlieue dès qu'elles descendent des trains. Pour les surveiller, une unité de police spécialisée. Tous les week-ends, c'est contrôle d'identité à la chaîne. Bon messieurs, on va procéder à un contrôle de police, s'il vous plaît. Je suis désolé, moi, je suis pas dedans. Les policiers ont une autorisation spéciale du procureur. Ces contrôles, c'est l'occasion d'un véritable travail de renseignement. Donc ça, c'est quoi, un coup de couteau ? Non, je suis tombé dans une vitrine. Et vous vous battez avec quoi, alors ? Avec rien. Avec rien, les poings ? À main nue ? Oui. Vous êtes fait agresser où ? À Clignancourt. Agresser comment ? Une bagarre ? Avec d'autres jeunes ? Comment ? Avec d'autres jeunes ? Ouais. Pourquoi ? Embrouille de quartier. Embrouille de quartier ? Ouais. La bagarre ? Mais pourquoi ? Vous savez pas ? Et c'était des gens de où ? Des jeunes de où ? Grigny. Les GHB ? Ah, vous connaissez ? Les Grignot Boys ? C'est ça ? C'est du 9-1 ? Non ? Mais je connais bien, c'est mon travail. Donc, Ouais. Ils sont fichés. Le grand costaud là, il y en a un grand costaud à Grigny, là. Un très grand. Avec la cicatrice là. Ouais. C'est mon cousin. Ouais. Voyez. C'est bon là. Allez messieurs, vous pouvez y aller. Le lieutenant Lamouret connaît parfaitement les bandes qui fréquentent le forum et celles qui sèment la pagaille. Ce jour-là, devant les policiers, deux bandes vont s'accrocher.